May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Que le Seigneur bénisse, frères et sœurs. Là, nous sommes à Nzassi avec le pasteur Yvon. Dieu bénisse, pasteur. Amen. Bon, pasteur Yvon, nous entendons à la cité que vous avez une église qui écoute les bandes. On ne sait pas si elle n'écoute que les bandes, si elle est du groupe 2 ou du 3. On voulait un peu savoir, votre église, c'est une église qui n'écoute que les bandes? Merci beaucoup, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen, pasteur. Depuis nous avons commencé à écouter les bandes depuis 2017. Amen. On a fait écouter les bandes au début. On pouvait écouter les bandes de mon choix. Mm-hmm. Et à un moment donné, je crois, c'est en 2018 où je me suis vraiment engagé à écouter que des bandes, mm-hmm. des bandes que Frère Joseph connaît. Wow. Donc nous sommes derrière le programme de Frère Joseph à 100%. Wow. Donc c'est une église qui n'écoute que les bandes, mais pas n'importe quelle bande, les bandes que Frère Joseph recommande. L'Église de la Vallée Tabernacle est derrière le programme à 100%. Vraiment, c'est une bénédiction de le savoir. Pasteur, alors Frère Joseph, pour vous, c'est un simple Éphésien comme tout le monde. Comment vous le voyez? Bon, Frère Joseph n'est pas un simple Éphésien comme tout le monde. Amen. Et si on peut prendre les promesses ou les citations de Frère Branham, c'est mm-hmm. Joseph. Mm-hmm. Frère Branham dit que Joseph prendra ma place. Exactement. Donc, on ne peut pas se galer à Frère Joseph. Exactement. Frère Joseph est en train de faire la continuité du ministère de William Marine Branham. Donc pour ça déjà, on ne peut pas se galer à Frère Joseph. Wow. Il est prophète. Wow. Il est prophète. Donc je ne peux pas me galer à Frère Joseph. Lui, il prend la place de Frère Branham, donc il est le remplaçant et c'est lui qui dirige un peu. Amen. C'est vraiment une bénédiction d'entendre ça de la part du pasteur Yvon. Pasteur, actuellement, les églises, certains sont fermés, d'autres sont ouverts. Nous voulons un peu savoir chez vous comment ça se passe. Vous êtes fermés, vous avez culte? Bon, nous sommes encore dans les maisons. Ok. Nous sommes dans les maisons. Bon, il y a une situation chez moi ici. Mm-hmm. Il y a l'église presque divisée en deux. Il y a une partie de l'église des frères qui vivent de l'autre côté de Kabinda. Okay. Et d'autres qui sont ici. Okay. Alors, comme la frontière est fermée, okay. ça ne nous permet pas de se rassembler tous. Exactement. C'est parmi les points. Et on attend jusqu'à ce que les frontières seront ouvertes, mm-hmm. comme ça on va se rassembler. Donc nous sommes actuellement dans les maisons. Et Frère Joseph, au début du confinement, dans l'une de ses lettres, il avait dit que maintenant rester dans les maisons, c'est la volonté parfaite. Il dit, si Dieu m'avait dit que pendant ce confinement, mm-hmm. Tu peux partir à l'église ouvrir, mm-hmm. et que je serai volontiers, je partirai pour le faire. Il dit que maintenant, c'est la volonté du Seigneur. Je crois que depuis que Frère Joseph l'a dit, il avait dit que c'est la volonté du Seigneur. Je ne pense pas qu'il nous a dit encore que maintenant, vous pouvez ouvrir. Mm-hmm. Donc, marcher avec un prophète, vous devez être vraiment prudent. Exactement. Il n'y a pas seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Exactement. Donc, nous sommes là, suivant la conduite du prophète. Certainement, le jour J, il va bouger, on va aussi bouger. Exactement. Vraiment, c'était une bénédiction d'avoir le pasteur Yvon Makosso de l'Église de la Vallée Tabernacle, une église qui n'écoute que les bandes au Congo. Vraiment, Dieu bénisse, pasteur. C'était vraiment de très bons moments de communion. Merci. Dieu bénisse. Merci.